Nouveaux navires de guerre, hélicoptères et avions de combat, la Chine poursuit ce samedi ses exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Manœuvre qui vise un encerclement total de l'île, selon la télévision d'État chinoise. Ces exercices menacent la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique, continue de marteler Taipei. Nos forces armées ont surveillé la situation et ont chargé un appareil de la patrouille aérienne de combat, les navires de la marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités, a ainsi réagi sur Twitter le ministre taïwanais de la Défense. Ces exercices ont débuté au lendemain du retour des États-Unis de la présidente taïwanaise. Une visite durant laquelle elle a rencontré Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, déclenchant la fureur de Pékin. Le régime communiste avait toujours menacé d'une riposte si cet entretien avait lieu au nom de son principe d'une seule Chine qui interdit, selon les autorités chinoises, d'entretenir des liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps.